Good morgen, Alei Den, et tu seras aujourd'hui le Nishmat David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora Bat Esther et Lucienne Bat Reina. Si vous souhaitez aussi utiliser une prochaine étude de Mishnah, vous pouvez 5 minutes et le Nous étudions ma Sechet Nadarim Perek Zain Mishnah, Vav Konam Perot Ha'elu Alai, Konam Hen Al Pi, Konam Hen Lefi, Asur, Bechil ou Fe'en ou Begidou Lehen. She'ani Ochel, Vesha'ani To'em, Moutar Bechil ou Fe'en ou Begidou Lehen. Bedavar Shezaro Kale. Aval Bedavar Shenzaro Kale. Afilu Gidul et Gidulin Asurim. On a fini avec les Mishnayot de définir les ensembles des choses, qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on n'inclut pas. À présent, on va passer à un domaine, à savoir, est-ce que les modifications et transactions, échanges des choses interdites seront elles-mêmes interdites. Avec le premier exemple, Konam perot elu alai, je m'interdis de ne pas manger de ces fruits-là. Ces pommes-là qui sont chez moi à la maison, j'ai pas dit toutes les pommes du monde, j'ai dit celles-là. Je ne veux plus en tirer, je ne veux pas en profiter. Maintenant, alors là on va différencier deux cas de figure. Il y a le cas où tu interdis ces fruits, où tu interdis ces fruits à ta bouche, où tu interdis ces fruits pour ta bouche. Ça c'est les trois expressions, konam perot elu alai. Oh, peren konam en alpi, pour ma bouche, sur ma bouche, à ma bouche. Konam en lefi, je vous interdis pour ma bouche. Dans tous ces cas de figure, asur bechilu fehen ou begidulehen, ils sont interdits aussi bien dans ce que tu vas troquer contre ces fruits, et même aussi pour ce qui va pousser de ces fruits. En l'occurrence, après, ton voisin, tu vas lui dire, tu sais quoi, viens, on fait quelque chose, je t'échange mes pommes. Ou bien, pas moi, parce que moi je n'ai pas le droit de le faire. Ma femme, qui n'avait pas interdit ses nedarim, elle va aller voir la voisine, elle dit, c'est quoi, tu veux en échanger, je te donne mes pommes, tu me donnes tes poires. Et elle a changé avec la voisine. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de manger ses poires ou je n'ai pas le droit de manger ses poires? Ben, la Michelle me dit, ben, je suis interdit par les chiloufé'en, ce que j'ai troqué contre ses poires, contre ses pommes. Parce qu'en fait, je suis encore en train de tirer de profit des pommes, puisque c'est les pommes qui ont apporté ses fruits. Et puisque tu as dit que tu vas interdire de manger ses fruits à ta bouche, pas de manger, tu vas interdire ses fruits à ta bouche, j'insiste. Parce que la Mishnah, pour le moment, je n'ai pas utilisé le mot manger. J'ai juste dit que ses fruits sont interdits à ma bouche. Ses fruits impliquent tout ce qui va sortir de ses fruits, ce que tu vas troquer, ou bien même Gidoléen. Si ma femme, du coup, ça lui a pris, au lieu d'aller les échanger avec la voisine, elle a pris les pommes, elle a planté des pommiers dans la maison. Après, on va avoir 17 pommiers qui vont nous pousser. Pendant des centaines d'années, je n'aurai pas le droit d'en tirer profit parce que c'est encore ces pommes-là. C'est Gidoléen, c'est ce qui a poussé depuis ses fruits. À la différence du cas où elle dit Shani Ochel, Veshani Toem, j'ai dit je fais le neder, que je fais neder de ces fruits, que je ne vais pas les manger. Je m'interdis ce fruit de ne pas les manger. Donc là, tu interdis ces fruits à manger. Mais tu interdis plus Veshani Toem, Moutar Bechiloufen ou Begidoulehen. Dans ce cas-là, il aura le droit de tirer profit des Chiloufen, de tout ce qu'il va troquer et échanger contre eux, ou Begidoulehen, de tout ce qu'il va penser. Pousser de eux, puisque tu as interdit ces fruits que tu ne vas pas manger. Donc si je ne vais pas les manger, ces fruits-là, je ne suis pas en train de les manger, ces fruits-là, ils ont apporté d'autres fruits que je mange. Mais je ne mange plus ces fruits-là, donc j'ai le droit de manger ce que je troque. Mais à une condition que ce soit d'avoir chez Zaro Kale, que ce que tu vas planter pour faire pousser, c'est quelque chose, ce sont des espèces qui sont des Zaro Kale, que leur graine disparaît et fait pousser autre chose. Aval Bedavar chez Zaro Kale, par contre, si c'est des graines, si c'est des choses que tu plantes, mais que Enzar Okale, que le Zera que tu plantes, il ne se disparaît pas, mais au contraire, il continue à grossir davantage. A Philo Begidule Gidule Nasurin, même ce qui va pousser, même les Gidule Gidule, ce qui va pousser à partir des pousses qui vont pousser, tout sera interdit. Je m'explique. Prenez du blé, plantez-le dans la terre, qu'est-ce qui va se passer? La graine de blé, elle va disparaître, elle va faire pousser un épi de blé. Donc, ça, c'est d'avoir chez Zar Okale, le Zera, la graine que vous avez mis, elle est calée, elle disparaît. À la différence du cas où, si vous prenez un oignon apparemment, alors vous allez planter un oignon dans la terre, l'oignon ne va plus disparaître pour faire pousser un autre oignon. C'est ce même oignon qui va se mettre à regrossir et à faire sortir des tiges et à faire... Et le même oignon, vous pourrez continuer à le manger. En plus, dans un cas pareil, je parle des oignons parce que ça fréquente même en cuisine, ça, les tiges elles poussent, elles continuent à pousser dès que c'est humide, on est en hiver ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un super exemple. Vous prenez un oignon, vous le mettez dans la terre, il va se mettre lui-même à regrossir et à faire sortir des tiges, et à faire sortir des oignons. Et puis après, il va nous faire sortir encore un autre oignon comme ça. Dans un cas pareil de ces oignons-là,
il s'avère que vous n'allez jamais différencier que ça, c'est l'oignon initial et ça, c'est autre chose. Parce que tout ce qui va pousser, c'est le même oignon qui a grossi. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus le droit de profiter de lui parce que c'est encore lui-même. Mais même mieux que ça, imaginez qu'après, vous allez prendre, parmi tout ce qui est sorti, vous allez prendre là-bas un petit bout de la tige de tout en haut, de toute nouvelle. Vous allez elle aussi la replanter, elle va de nouveau pousser. C'est le même oignon encore. Donc vous ne pourrez pas en tirer profit de ce Gidoulim Bedavar chez Enzar au Calais. Ok? C'est clair? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.